Bonjour tout le monde, hello hello! Ouh là là, je vois que vous êtes déjà hyper nombreuses, coucou tout le monde! Bienvenue, bienvenue! Comment allez-vous aujourd'hui? Hello Cathy, Myriam, Marianne, pardon, Marie-Christine, Karel, Anise, Jocelyne, Véronique, Nathalie, Marie-France, comment allez-vous? Coucou Laurent, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour ce nouveau live, nous sommes mercredi après-midi, il est 14h et nous démarrons ensemble le live 95. Bonjour Monique, bonjour Laurent, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts ou prêtes à passer cette petite heure avec moi, tranquille, au calme, à créer ou juste à profiter de ce moment. Bonjour Viviane, coucou Sandrine, hello Cécilia. Je vois que tout le monde arrive tranquillement, ça me fait très plaisir. Pour celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis janvier 2020 et on se retrouve chaque mercredi après-midi pour un live créatif. Coucou Lorraine du Québec, super, bienvenue, bienvenue. Ça va Nathalie, coucou Martine. J'espère que vous allez passer un beau moment. Dans 5 semaines, c'est le centième. Oui, Karel, exactement, le 6 avril, ce sera le centième live. Évidemment, je vous ai préparé, prévu des petites surprises pour fêter cet événement et j'ai aussi une autre petite surprise pour vous aujourd'hui. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Alors, vous le savez, nous sommes en début de mois et comme chaque début de mois, les informations sont très denses. Coucou Dominique, bonjour Marotine. Très très dense. Vous en avez déjà probablement entendu parler. Nous avons en ce moment une promo qui dure un mois et qui est, coucou Carole, que Stampin' Up vous offre moins 20% sur la mini machine de découpe. Sympa ton gif, Karine. moins 20% sur la mini machine de découpe et également sur une sélection donc de lots, tampons, poinçons. Je vous mets à l'image donc la mini machine est juste un exemple hein, bien sûr d'un lot. Donc ça c'est vraiment le top pour les petits espaces par exemple. Vous pouvez garder votre mini juste sur votre table de travail, c'est pas gênant, elle est hyper légère, vous pouvez la transporter partout. C'est le top du top. D'ailleurs, je vais travailler avec elle aujourd'hui notamment. Donc ça, c'est vraiment la grosse promo du mois de mars. Lorsque vous rejoignez mon équipe ce mois-ci, eh bien, vous pouvez également profiter de cette promo. Donc ça cumule en fait vos possibilités. Coucou Luna, t'as pas le même truc que prévu du coup. Coucou Isabelle, joyeux anniversaire. Coucou Patricia. J'ai encore perdu le fil, du coup je suis un peu avec tous les commentaires. Parfois je perds le fil, je suis désolée. Donc ça c'est la grosse promo. Donc oui, quand vous rejoignez l'équipe, vous pouvez cumuler tout ça. Donc ça c'est vraiment le top du top pour votre kit de démarrage. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme information à vous transmettre? Vous ne l'avez pas encore vu, enfin si, mes VIP l'ont vu déjà, puisque je leur en ai déjà parlé. Je vous l'annonce là, maintenant, plus officiellement, et vous retrouverez aussi le lien sur mon blog et j'en reparlerai dans les jours à venir. Afin de fêter ensemble le printemps, je vous propose une crop virtuelle. Voilà, pour réaliser un petit album. Coucou Fabienne, coucou Karine. Cathy, commence pas. Donc, une crop virtuelle, voilà, pour qu'on puisse se retrouver ensemble, profiter de l'occasion de l'arrivée très prochaine du printemps. Donc, je vous propose de venir réaliser avec moi ce petit album que vous voyez en photo à l'écran, un samedi matin, en zoom.
Ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas être présente, j'ai la solution, je vous en parlerai. Le lien pour avoir toutes les informations et pour vous inscrire, eh bien, vous le trouverez en haut de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube. Donc j'espère vous retrouver nombreuses et nombreux à l'occasion de cette crop virtuelle. Elle aura lieu donc le 26 mars. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 mars, 20h, dernier délai, pour que j'aie le temps bien sûr de passer les commandes, préparer les kits et vous les envoyer pour que vous les ayez à temps. Voilà, vous avez toutes les infos. Coucou Sandrine! Regardez-les, ces petites chipies là. Coucou Nadine. Oh, Nadine, j'ai oublié de te répondre à ton message. Je te réponds après live, je te promets. En Zoom, ça va être sport. Oui, ça va être sport. Mais je sais que je peux compter sur votre bienveillance et votre participation sympathique pour ce Zoom. Ça va le faire. On va y arriver et on va surtout passer un bon moment. Donc c'est le plus important. Mais oui. Je pense qu'il va falloir que je dorme bien la veille pour que... pour gérer tout ça, mais je suis pas inquiète. Là où Cathy, oui, je l'ai eu ton inscription, ma vie, pas de problème. Dans la bonne humeur, Fabienne, exactement. Le but, c'est simplement de se retrouver et de passer un bon moment ensemble autour de notre passion commune. Oui, Laurent, j'ai bien désactivé mes alarmes, il n'y a pas de problème. Je vous parlais en début de live d'une petite surprise, je vous explique. Oui Cathy, je pense que c'est ce que je ferai peut-être par moment, t'inquiète pas. Eh bien, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je transfère par exemple tous mes replays de live. Parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas sur YouTube. Donc j'ai hâte d'avoir la fibre pour pouvoir streamer sur les deux plateformes, mais... Voilà, chaque chose en son temps, ça viendra, je ne suis pas inquiète. En attendant, vous avez quand même les replays sur YouTube lorsque vous n'avez pas Facebook. Coucou Brigitte! Ah, tu aimes les surprises, Marutine, je m'en doutais. Sur cette chaîne YouTube, eh bien, je suis très heureuse parce que nous sommes bientôt à 1000 abonnés sur ma chaîne. C'est juste incroyable. Je ne pensais pas y arriver un jour, c'est vraiment extra. Coucou Aude, coucou Béatrice. Je reviens à toi Luna dans quelques secondes. Et donc je trouve ça incroyable, déjà pratiquement 1000 personnes abonnées à ma chaîne. Donc, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est de marquer un petit peu le coup. Et donc, si nous arrivons à 1000 abonnés d'ici ce soir, si nous arrivons à 1000 abonnés d'ici ce soir, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne, vous verrez. Merci Brigitte, c'est adorable. Oh oui, je la connais, je la regarde depuis le début de mes vacances et je fais les projets. Oui, tu m'étonnes, elle est en train de refaire tous les replays, Cathy. Coucou Isa, coucou Marilène. Donc, je disais, si nous arrivons à 1000 abonnés ce soir et que vous m'envoyez vos créations directement donc par mail s'il vous plaît comme ça je les retrouve plus facilement harmoniescrap@harmoniescrap.fr si nous atteignons les 1000 abonnés ce soir et que d'ici demain vous m'envoyez vos créations suite au live d'aujourd'hui je ferai un tirage au sort parmi les participants oui Anne-Lise effectivement je sais et le ou la gagnante eh bien remportera ce set de tampons nos amis tortues. Voilà, c'est le cadeau que je vous ferai. Donc je répète, si nous arrivons à 1000 abonnés d'ici ce soir, allez, on va se dire 22h, je ferai un tirage au sort parmi les créations du live d'aujourd'hui qui me seront envoyées par mail @harmoniescrap@harmoniescrap.fr. Voilà, histoire de vous remercier de votre fidélité. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, d'avance, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous d'être toujours là, de me suivre et de me faire confiance. En tout cas, ça, c'est génial. Oh, merci Brigitte, vous êtes trop fort. Merci beaucoup. Et donc, vivement le centième live, que je puisse là encore vous gâter. J'ai hâte d'y arriver, c'est certain et c'est juste incroyable, mais on a le temps. D'en reparler, ça sera dans à peu près un mois. Voilà. 992, Marie-Christine. Waouh! Waouh! Ça va monter vite, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Oh, merci, Aude, c'est gentil.
Luna, je réponds à ta question avant d'attaquer la création. Une crop virtuelle, en fait, c'est tout simplement, on se retrouve sur la plateforme Zoom en l'occurrence, donc en visio. Vous commandez, donc vous vous inscrivez, vous commandez le kit pour pouvoir réaliser l'album en même temps que moi. Et du coup, on se retrouve tous ensemble et on réalise un album. Je vous montre comment, mais en visio, tous ensemble, histoire de passer un bon moment, même si nous sommes dispersés aux quatre coins de la France. Ça ne nous empêche pas de nous retrouver et de passer un bon moment ensemble. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Luna. 994, vous êtes incroyable. Allez, on va retourner, je vais changer de caméra et on va démarrer la création de cette petite swing card que je vous propose aujourd'hui. Mylène, on va y arriver avant la fin du live. Et Francine qui me demande si je vais chanter. Vous êtes pas croyable. De rien, Luna. Coucou, Louison. Bonne humeur et plaisir garanti pour la crop. Je n'en doute pas, ma petite drindrine. J'espère que tu vas bien, ma bichette. Coucou Catherine, comment ça va? Alors, la swing card, voilà comment elle se présente. Voilà, vous voyez, c'est très simple à réaliser, vous allez voir. Je ne sais pas si vous avez vu le commentaire que j'ai ajouté tout à l'heure sur l'événement par rapport aux mesures. Il en manquait un petit bout, donc je vous avais rajouté ça. Et puis, vous avez aussi une option à modifier, donc du coup. Vous allez voir, je vais vous dire tout ça. Si on y arrive avant la fin du live, on veut une chanson. Oh là là! Dites donc, Marilène, vous vous y mettez aussi, vous? Une chipie en plus. Eh bien, eh bien. Incroyable. Alors, cette carte-là, je l'avais réalisée avec le papier design de la collection Tous Ensemble, que vous avez déjà découverte depuis quelques semaines, qui est notamment utilisée avec les tout nouveaux blends Ton Naturel. Je vous en montre un rapidement. Voilà. Idéal pour les colorisations de peau, les animaux, etc. Donc vraiment le top. Oui, c'est reparti, Béatrice. Encore 5. Vous êtes incroyable. Donc tous ensemble, les blends ici, la découpe des mains ici également fait partie de cette collection. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique si vous ne l'avez pas encore découverte. Vous verrez, c'est vraiment super. Ah, que je suis été coffine, mais je regarde. Pas de souci, pas de souci. Je ne sais pas qui a Covid, du coup, j'ai pas eu le temps de voir. Ah, Véronique. Oui, regarde tranquillement, profite, pose-toi, repose-toi, n'hésite pas. Est-ce que tu peux mettre H et L pour les DSP quand tu mets les mesures? Je vais essayer d'y penser, ma biche, sans garantie, mais il faudra me le rappeler, d'accord? On va chercher la musique pour la chanson. Ça suffit, je suis censée être là pour vous apprendre à faire la swing card et pas pour faire un tour de chant. Il pleut assez aujourd'hui chez moi, ça suffit. Alors, magenta en folie pour la base de la carte, vous le savez, c'est une incolore qui va bientôt disparaître, donc n'hésitez pas. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur celle-ci? Eh bien, je crois que c'est déjà pas mal. Marotine, t'es pas gentille. Je vais l'avoir dans la tête maintenant. Donc, nous allons commencer aujourd'hui. Je vais la faire dans des tons un petit peu plus pastel, un petit peu plus clair, un petit peu plus douce. Vous allez voir, je vais utiliser Freesia en fleurs notamment. Et je vais combiner en fait le papier design d'une collection avec un lot qui fait partie des lots à moins 20% ce mois-ci, vous allez voir, un lot qui fait partie du catalogue annuel et qu'on a un petit peu oublié et pourtant qui avait fait fureur à sa sortie. Je vous montre tout ça. Allez hop, je mets ça de côté et c'est parti. Pendant qu'il y en a qui s'amusent à essayer de me faire chanter, moi je prépare mon matériel. Couleur tendre comme nous. Oui, c'est ça, Marotine, exactement. Du scrap en chanson, c'est bien connu, les femmes savent faire plus d'une chose à la fois. Alors ça, j'en suis convaincue, mais là, permettez-moi d'émettre un petit doute. Alors, je vais décaler tout ça. Chaque chose en son temps. On va d'abord s'occuper de la base de carte pour le papier
avec le papier uni. Donc ici, Frésia en fleurs. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu as déjà l'air dans la tête. Même les paroles sont pas compliquées, je t'explique pas. Hein. Je sais ce qu'elles vont me faire, Camille. Je le sais, je les connais, je les connais. La base de votre carte fait 20 par 13. 20 par 13. On va venir faire des petites marques au crayon. Celles qui sont les plus aguerries n'auront peut-être pas besoin de cette étape-là, mais je tiens particulièrement à m'adresser au plus grand nombre, c'est-à-dire aux très débutantes comme aux très très aguerries et très très passionnées. Donc vous adapterez selon votre niveau, je ne suis pas inquiète du tout. Donc, la base unie, alors je vais mettre ça pas trop haut parce que du coup, j'ai pas tout le retour ici. Voilà, on a la base 1. Je vais vous montrer, le schéma de ce que va donner, en fait, nos petits marquages que l'on va faire tout de suite. Donc, je vais rapprocher. Voilà, on va venir tracer des traits pour faciliter les plis et les coupes. Marie-France, c'est trop mignon ça. Qui aime bien, châtie bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça me touche d'autant plus. Donc nous allons venir tracer des traits ici sur le bord long et sur le bord court, ok? Juste des petits traits de crayon tout simples, d'accord? Pour nous guider dans nos plis et notre coupe, tout simplement. Ça marche? Donc on va le faire ensemble. Je voulais que vous ayez une idée de ce que nous allons réaliser ensemble. Carole, t'es trop mignonne. Merci beaucoup. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre et pour les nouvelles, sachez qu'à la fin de chaque live, je publie donc sur mon blog le replay vidéo, la fiche technique complète avec les mesures, les schémas, les photos, etc. de la création du jour, et puis bien sûr la liste du matériel que j'ai utilisé également pour les deux versions. Donc voilà, vous aurez toute la fiche technique. Comme ceci, vous pourrez même la télécharger, donc pas d'inquiétude si vous avez un petit ratage en live, pas de souci. Marie-Christine, plus que deux, on est à 998, incroyable. Incroyable, vous êtes extraordinaire. Merci Marie-France, c'est gentil. Alors, hop, je vais mettre ça ici en espérant que vous voyez bien. Je vais essayer de voir. J'essaye de voir par rapport à mon logiciel ordinateur, mais également sur le retour que j'en ai sur Facebook. Et donc, il me semble que si je mets mon schéma ici, vous le voyez. Alors, je prends ma règle, mon crayon. On n'oublie pas de tracer des traits très légers, d'accord? De manière à pouvoir les effacer et qu'on n'ait pas des grosses traces qui apparaissent par la suite. Je vais m'abonner deux fois. Je suis pas sûre que tu puisses, Karel, hein. Je suis pas sûre que ce soit faisable. Alors, je vais venir faire des marques, en fait, sur le bord long, tous les 4 cm. Donc, pas compliqué. Donc, on est d'accord, tous les 4 cm, ça fait 4. Bon, je suis désolée, mais du coup, vous allez voir mes cheveux encore, mais il faut que je me baisse un peu pour voir ce que je fais. Donc, 4, 8, 12 et 16. Vous avez plus... Là, voilà, vous avez les mesures ici. Ok? Les 1000 sont affichés, ça y est. Incroyable, en temps réel, quoi, j'hallucine. Marie-France confirme qu'on ne peut pas s'inscrire deux fois. En même temps, je ne suis pas très surprise, mais merci d'avoir testé. C'est génial. Oh, merci 1000 fois, du coup, à vous toutes et tous, vous êtes incroyables. 1000 abonnés, ça y est, sur ma chaîne YouTube. Vous le vivez en temps réel, en même temps que moi. Merci beaucoup, c'est trop fort. J'adore. 1000 abonnés aujourd'hui, le 100e live le mois prochain, c'est incroyable. Vraiment, merci beaucoup. Bon, on avance. J'ai envoyé des invitations. Excellent. Ah, je sais ce que vous voulez dire. Allez, 3 secondes. Baby Shark doudou doudou. Baby Shark doudou doudou. Voilà, c'est tout ce que vous aurez. Bon, je continue ma carte, on va pas y arriver. Les personnes qui vont regarder le replay, ça va les saouler, hein.
Allez, je viens faire toujours mes petites marques pour tracer mes traits assez droits. Hop, 8, 12, 16. Voilà, je relis mes points. Voilà, c'est vraiment très simple, hein, mais vraiment, je tiens à m'adresser à tous les niveaux. Ça vous fait rire, hein? Merci Cathy, t'es trop mignonne. Tant pis pour vous si vous avez la chanson dans la tête après, hein. Hop, elle n'est pas finie cette carte. Je le sens. Je le sens. En plus, j'ai une technique à vous montrer après, donc il faut que j'ai le temps de la faire. Hop. Voilà. Je vais retourner mon papier et je viens cette fois-ci marquer donc la même chose, mais à 3 cm depuis le bord gauche et depuis le bord droit. La règle dans le bon sens, ça sera drôlement mieux, n'est-ce pas? Alors, toc, 3 cm. Et 3 cm ici, et pareil en bas, et on va tracer nos petits traits pour pouvoir venir faire la découpe et les plis. Voilà. Merci Nathalie, c'est gentil. Maintenant que j'ai entendu chanter, je vais chercher mon loulou. Bon après-midi Camille! Je vous dis pas, je vais l'avoir dans la tête toute la journée après ça. Au secours! Coucou Héloïse, ça va ma belle? Hello Virginie. Aïe aïe aïe, quelle ambiance. Voilà. Donc on a notre trame qui est dessinée, tout simplement. Voilà. Donc, ensuite, nous allons découper, vous voyez, le trait rouge là, enfin les traits rouges, ici et là. Ça va être de la découpe et ici. Là, ce sont uniquement des plis. Tout le reste, ça, on l'effacera après. D'accord? Ok? Donc, pour cela, je vais prendre mon coupe-papier. Je vais essayer de tout caler à l'image pour que vous voyez bien. Alors, si je mets mon coupe-papier ici, ça devrait le faire. Ici, je vous laisse le schéma. Ok? Et je vais donc venir m'occuper des découpes. Donc, je vais couper au niveau du premier trait ici entre les deux. D'accord? Alors, je vais venir couper ici, là. On fait bien attention de ne pas couper tout le long, hein, vraiment entre les deux lignes horizontales. D'accord? Alors, je positionne ça. Toc, je déplace ma lame. Vous pouvez aussi le faire au cutter avec une règle si vous préférez. Hop. J'essaye de me concentrer pour pas faire de bêtises. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais donc à ma dernière ligne verticale et je viens couper entre les deux lignes horizontales. Entre les deux lignes, je m'arrête bien. Hop, voilà. Ok, c'est bon pour vous? Maintenant, je vais tout simplement venir couper donc dans l'autre sens. Donc je vais retourner. Voilà. Coucou Claudine, ça va? Luna, t'as pas fini. Qu'est-ce que t'as pas fini? Dis-moi. Pas de souci, prends ton temps, tu as le schéma ici. Si tu as une question, tu n'hésites pas à la poser. Couper l'équivalent d'une lettre C sur les plis entre les deux premières lignes verticales. Mais elle est parfaite, cette dame. Merci Sandrine. Donc, hop, je retourne sur le bord court. Donc là, je vais venir commencer à couper à la première ligne qui est maintenant horizontale et je m'arrête à la deuxième ligne. Ok, donc en fait, je viens couper entre 4 et 8 cm. N'hésitez pas à suivre le schéma, vous allez voir, ça va vous aider. Je continue, je viens couper ici entre 12 et 16. Pas de souci, Karel, je sais que tu bosses, t'en fais pas. Gros bisous, ma belle. Voilà.
et je viens faire la même chose sur l'autre côté. D'accord? Donc ici, on a, comme dit Drin Drin, deux C qui se regardent et on vient couper. Hop, et je fais pareil juste ici. Et voilà, normalement, c'est pas trop mal. Je vais venir juste mettre mon petit coup de ciseau là. Et là, pour finaliser. Coucou Muriel, comment ça va ma belle? T'en as raté des choses Muriel. Tu verras le replay. C'est du Chanel. Quoi? De quoi? Pourquoi tu me parles de Chanel, Marotine? Hop. Alors, je vais plutôt prendre mon cutter ici sur mon tapis de déco. Bougez pas, je suis là, ne vous inquiétez pas. Hop. Je viens juste séparer ça correctement. Voilà. Toc. Nickel. Et voilà. Ça, c'est bon. Alors, il me reste les plis à faire. Ah, Chanel, les deux C. Autant pour moi. Effectivement. C'est vrai. J'avais pas capté. T'as l'œil, hein, Marotine. Tu as l'œil. Je vais venir faire mes plis maintenant. Hop. Bon, allez. On a fait avec le coupe-papier tout à l'heure. Maintenant, on va faire avec le petit outil. Hop. Toc. Donc, il me reste à faire les plis. Je suis trop basse, pardon. Qui sont là. D'accord? Donc, celui-ci, celui-ci. Donc, celui de 8 cm, mais on ne plie pas ici. Et celui à 12, on s'arrête bien à chacune des grandes lignes. Chanel, c'est le nom de ma chienne. Ah, bah voilà. Loupé le début, est-il possible de voir en replay? Oui, bien sûr, Linda. Merci, Drin-Drin, d'avoir répondu. J'ai pas vu le commentaire de Linda. Bien sûr, il y aura le replay justement sur ma chaîne YouTube, sur la page Facebook et sur mon blog harmoniescrap.fr. Super. Allez, je viens faire mes plis. Toc. Donc, ici, et je m'arrête. Ici, et je ne fais bien attention de ne pas faire au centre. Voilà. Et pareil ici, donc là, 4, 8, je viens à la mesure du 12 et je fais la même chose ici et en bas. Voilà, tout le reste, on peut l'effacer, on n'en a plus besoin. Voilà, on a vraiment fait ce dont on avait besoin. Donc là, maintenant, pouf, on efface, on voit plus rien, c'est parfait. Et on va pouvoir s'occuper de la déco et de tous les autres papiers. Hop. On efface bien les traits. Ça va tout le monde, c'est clair pour vous? Coucou Muriel, comment ça va? L'autre Muriel du coup. J'ai beaucoup de Muriel, j'ai beaucoup de Sandrine. De Laurence aussi, j'en ai plusieurs. Mais ça va, j'arrive à vous différencier, c'est bon, tout va bien. Hop, voilà, j'efface bien tout partout. Vous ferez attention même dans votre pli de coupe, dans votre coupe, hein, il y a toujours votre trait de crayon, donc n'hésitez pas à bien tout effacer partout. Voilà. Nickel. Bon, et bien maintenant, ça y est, on a... Mais il n'y a qu'une Cathy, oui, c'est vrai. Et qu'une Marotine, c'est vrai aussi. Je viens maintenant marquer mes plis. Hop, donc, je fais en sorte que ma carte ait la bonne mobilité. Voilà. Donc, hop, mon plioir.
Il est là. Donc j'installe ma carte et je vous montre exactement comment ça va venir se placer. Donc on aligne bien partout. Voilà, en haut, en bas, pour que ce soit plus joli. Voilà. Ok, je retourne mon papier. Alors voilà comment se présente votre carte. Donc j'ai une montagne et une vallée ici. Je vous la montre comme ça, dans ce sens-là sur le dessus d'abord. Et une Béatrice. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Hop, et là, ça y est, on a le mécanisme de la swing card. Donc vraiment, ce n'est pas compliqué du tout. Vous retrouverez le schéma sur la fiche technique hein, pour vous aider à la refaire si vous le souhaitez. Toc, voilà. Donc n'oubliez pas, pour celles qui nous rejoignent à l'instant, j'ai lancé un petit jeu concours. Donc le jeu, c'était si jamais d'ici ce soir 22h, on atteignait les 1000 euros sur la chaîne YouTube, je ferai un tirage au sort parmi les créations que j'aurai reçues par mail suite à ce live pour faire gagner donc le set de tampons nos amis tortues qui est ici. Eh bien, chose incroyable, en 10 minutes en fait pendant le live, les 1000 abonnés ont été atteints sur YouTube. Donc maintenant, bah, il me faut recevoir vos créations. Je vous laisse jusqu'à demain soir 20h pour pouvoir me l'envoyer. Et je ferai ensuite le tirage au sort vendredi. Oui, Lison, c'est très simple, effectivement. 1000 euros. J'ai dit 1000 euros? C'est pas ce que je voulais dire, pardon. Pas de soucis, Muriel. Bon après-midi, ma belle. Ok, alors on va commencer maintenant les papiers. Je vais être assez réactive, enfin je vais essayer de coller tout ça rapidement. Hop. Je reprends ça, toc, ma colle, et on est parti. Il faut pour notre déco, je vais mettre tout ça, c'est des tout petits bouts de papier, on est d'accord, hein. Alors, pour, je vais l'ouvrir pour vous guider. Il nous faut deux morceaux de papier de matage. Sans patate. Pardon. Je me suis trompée, je suis désolée. Deux morceaux de papier uni pour le matage. Donc pour ici nos colonnes. 12,5 par 3,5. Il nous en faut deux. Je mets mes petits post-it ici. Je vais venir les coller tout de suite. Hop. Donc 12,5 par 3,5. Donc ici, sur la gauche. Donc, vérifiez bien, pardon, le sens d'ouverture de votre carte. Hein. D'accord. Voilà. Pour nos bandes ici. Voilà. Je viens faire de même ici. Et nous allons coller tous nos petits rectangles ici. Donc, il vous en fallait 6. De matage uni, d'accord, de 3,5 par 2,5. Ok, j'aimerais bien que mes post-it collent un peu mieux, ils rebiquent tous d'un côté. Allez, soyez gentils. Voilà, et en fait, tous ces petits carrés de papier unis vont venir, vous voyez, toc ici. Voilà, j'en ai un de trop, c'est pas grave, au mieux trop que pas assez. Enfin, ils vont venir ici. Donc c'est parti, je les colle. Donc on est sur le papier uni de matage de 3,5 par 2,5. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit euros à la place d'abonnés. Hein. Je suis confuse. C'est sorti tout seul en fait. C'est trop bête. C'est trop bête. Voilà. Toc. On y va. Ensuite, eh bien, évidemment, il va y avoir le papier design. Et puis, je vais vous donner... Donc, les petites nuances qui sont possibles sur le centre de la carte. Puisqu'évidemment, il y a différentes alternatives. Je vais vous en donner deux. Hop, voilà, je colle tout ça rapidement. C'est bon tout le monde, vous arrivez à suivre? Hop. Cacher ce petit bourrelet là, voilà, hop,
Ça, bon, le collage, hein, ça va, c'est pas trop compliqué, on est d'accord. Toc. Et mon petit dernier. On peut faire les deux? Oui, tu peux faire. Non, on va falloir choisir. C'est une option par carte, ma belle. Ok. Alors maintenant, rapidement pareil, puisque là c'est vraiment du collage. Hop, le papier design. Donc, pour nos petits rectangles ici, donc c'est là où il y avait une erreur sur la publication de l'événement que j'ai corrigé dans la matinée. Ce sont donc bien des morceaux de 3 par 2, mais j'ai marqué qu'il en fallait que 2. En fait, il en faut bien 6. D'accord? Donc, ils viennent se mettre ici. Donc là, le papier design, c'est la collection Bien chez soi. Bien sûr, coordonnée avec mon papier uni. J'adore ce papier. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le papier, la collection que j'ai utilisé pour l'album de la crop de la fin du mois. Voilà. Donc 3 par 2 pour mes petits rectangles ici. Le papier design, vous avez donc les mesures. Voilà. Ça va, vous vous en sortez, c'est bon. J'essaye d'activer sur le collage de ces papiers parce qu'en fait, j'ai une petite astuce à vous donner. Vous allez le voir sur ma déco. En fait, je vais encore utiliser mon Stamparatus, mais je vais vous montrer une petite astuce pour mon tamponnage. Donc, ne bougez pas, ne partez pas. Vous allez voir quelque chose de super fun. Et que vous pourrez reproduire quel que soit votre tamponnage. Donc ça, c'est assez sympa. Alors, voilà. Il me reste mes deux morceaux de papier design latéraux. Et ici, donc, il vous faut deux morceaux de 12 par 3. Plus l'habitude de suivre les lives, j'ai fait une boulette. C'est pas grave, ma bichette. Tout se rattrape. Tout se rattrape. Tu le sais bien. Hop. Voilà, et lui, il va ici, comme ça, on regroupe. Toc, et ça vient sur les côtés. Vous avez vu, c'est beaucoup plus doux hein, que la première version, je vous avais dit. On est plus dans les tons doux pastels. C'est ça ce que j'aime aussi, c'est que du coup, on peut complètement changer d'univers, donc ça, c'est top. Quelqu'un a une astuce pour faire sortir la colle du tube vert, c'est hyper difficile. Une aiguille, Yannise. Une aiguille, ça marche très bien. Ou un tout petit bout de fil de fer. Et du coup, ça ira tout seul. Karel, te revoilà. Coucou! Ok. Alors, ça y est. Déjà, vous avez vu, ça commence à bien prendre forme. Alors, première chose, pour l'avant de ma carte, sur ma carte ici, j'ai mis un grand morceau de papier blanc sur lequel j'ai fait, donc j'ai posé ma découpe, j'ai ici colorisé avec ma brosse à estompe. Ok, donc ce morceau ici, il mesure 11,5 par 6,5. 11,5 par 6,5. Celui-ci, il ne doit pas être dans la liste que je vous avais donnée au départ. Les mesures que vous avez, c'est celles-ci. Matage uni, 7,5 par 6,5 et le papier design, 7 par 6. Les options sont là. Soit vous laissez donc un morceau de papier blanc, je vais reprendre celui-là, qui va venir ici et du coup vous mettez une découpe, un tamponnage ou que sais-je. Ou alors vous décidez de mettre le matage uni et le papier design, qui va venir en fait juste ici, puisque vous voyez la partie gauche qui est en dessous, on ne la voit quasiment pas. D'accord? Donc vous décidez vraiment de ce que vous voulez faire, de la décoration que vous voulez réaliser sur votre carte. Toutes les options sont possibles. D'accord? À la place du DSP de 7 par 6, ça peut être aussi un morceau de papier blanc que vous venez aussi tamponner. D'accord? Voilà, il y a plusieurs options possibles. Faites ce qui vous plaît le plus, c'est ce qu'il y aura de plus simple. Je vais rester pour ma part sur le papier blanc de 11,5 par 6,5. Ok?
Et pour ce qu'on va appeler là potentiellement l'arrière, j'ai choisi un morceau donc de papier uni, mais cette fois horizon de bruyère pour trancher un petit peu, pour rester dans les tons de violet, mais pour que ce soit un petit peu plus marqué. 11,5 par 6,5 que je vais venir donc coller ici. D'accord. Et du coup, il me faut quand même un petit morceau de papier blanc pour écrire mon petit mot au destinataire. D'accord. Donc là, 11 par 6. Vous voyez, je l'ai déjà tamponné. Ça, je vais pouvoir le coller tout de suite. Ici, avec une petite fleur, je vais vous montrer le set de tampons tout de suite. Donc, ça et ça, ça vient ensemble. C'est pour l'arrière. Et je viens le coller immédiatement. Ça sera fait aussi puisque j'ai déjà tamponné. Si jamais vous voulez faire comme moi et mettre bien sûr un tamponnage sur votre papier blanc, pensez impérativement à le réaliser avant de coller votre papier. D'accord? Ça vous assurera un bon tamponnage, une bonne pression, plutôt que directement sur la carte. C'est très important. Hop, je colle ça. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer la petite astuce que je voulais vous faire découvrir avec la déco. Hop, c'est joli, hein? Ça vous plaît déjà? Vous aimez bien les couleurs que j'ai choisies? Cette collection, c'est ce fraisier en fleurs, c'est moi j'adore, c'est juste magique. Et puis du coup, le petit horizon de bruyère là avec le petit liseré, ça rend super bien. Hop. Donc je vais venir m'occuper maintenant de l'avant. Pour cela, je vais récupérer mon morceau de papier blanc, ce que je vais en avoir besoin d'ici peu. Hop, je vais le libérer de ces post-it. Je vais faire de la place avec tous ces post-it. Ne vous inquiétez pas. Si vous allez sur mon blog harmoniescrap.fr, quelques minutes après le live, vous verrez, vous pourrez utiliser la fiche technique. Il n'y a pas de souci, donc pas de panique. Oui, ça vous plaît? Bon, c'est top. Je mets ça de côté et je vais prendre mon Stamparatus, j'ai pas changé mon brouillon, je suis désolée, c'est pas très propre, j'aurais dû le changer, j'ai oublié, complètement oublié. Hop, et vous voyez, j'ai déjà un tamponnage qui est ici. Hop, et vous allez voir. Je vais utiliser aujourd'hui, donc je vous en parlais tout à l'heure, un lot qui est en ce moment à moins 20%, c'est celui-ci, Art Gallery. Donc c'est le set de tampons. Et les poinçons qui sont donc vendus en lot, en promo à moins 20%, qui fait partie du catalogue annuel et qu'on voit quasiment plus. C'est quand même bien dommage parce qu'il est magnifique. Donc je vais utiliser cette jolie fleur ici et le Happy Birthday ici en, comme sentiment. Alors oui, c'est en anglais, mais enfin ça, Happy Birthday, je pense que c'est à la portée de tout le monde. On est d'accord, hein? Notamment, et puis, sorry aussi, thank you aussi. Là, je pense que, voilà, c'est sans problème accessible à tout le monde, d'accord? Donc, pas de panique. Je prends en cours, je trouve très joli. Avec grand plaisir, Antoinette, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à regarder le replay à la fin du live. J'espère que ça vous fera rire et que vous passerez un bon moment, en tout cas. Donc, je vous disais, j'utilise ce tamponnage ici. Avec bien sûr sa découpe coordonnée qui est ici. J'espère que ça va vous plaire. Moi, dans l'idée, ça c'est assez sympa. Donc, première étape, je vais venir tamponner donc ma fleur là sur mon papier blanc. Donc, je vais le mettre là à peu près. Bon, après, je peux bouger. Donc, je positionne mes aimants. Là, je peux tamponner à peu près n'importe où, on est d'accord, hein, c'est juste parce que je vais avoir besoin de réancrer. Donc, voilà, je veux que ça tienne. Ok, et donc, comme c'est une fleur, eh bien, il y a, vous voyez, la partie des fleurs, mais il y a aussi les feuilles ici. Et moi, je n'ai pas envie de coloriser, en l'occurrence aujourd'hui, mes feuilles de la même couleur que la tête de mes fleurs. Vous allez me dire, bah oui, mais enfin galère pour tremper dans le pad d'encre et tout, pas mélanger les couleurs, les pattes sont rectangulaires, c'est vrai que c'est un peu compliqué et tout. Bon. Eh bien, l'astuce, c'est la suivante. Je vous montre. Il s'agit des feutres Stampin' Write, les feutres à base d'eau. Et l'utilisation idéale pour ce genre de choses, lorsqu'on ne veut pas avoir une seule et même couleur sur un tampon,
Eh bien, on utilise tout simplement nos stamping rights. Ce sont des feutres, donc comme je vous le disais, à base d'eau, qui peuvent être utilisés directement sur le tampon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer donc par coloriser. Donc j'ai pris Frésia en fleurs, Horizon de bruyère et Riche raisin. D'accord? Ça, c'est le combo de couleurs. Et je viens directement coloriser mon tampon avec mon feutre. Donc là, je viens déposer ma couleur Frésia en fleurs sur mes têtes de fleurs. Toc. Les petites là aussi. Voilà. Je vais mélanger un petit peu pour donner un petit peu de profondeur de façon très aléatoire. Hop. Avec Horizon de bruyère. Voilà, une petite touche par-ci, une petite touche par-là. Et je viens maintenant coloriser mes fameuses tiges et feuilles avec mon riche raisin. Et du coup, ça va me permettre d'avoir un tampon de plusieurs couleurs, de m'assurer de ne pas abîmer mon tampon parce que mes feutres sont à base d'eau. Toc, voilà, j'ai la petite tige ici, ici et là. Voilà. Hop. Et du coup, je vais pouvoir venir déposer tout ça sur mon papier blanc. J'insiste bien. Hop. Et comme j'ai mon Stamparatus, je sais que si ce n'est pas assez ancré. Coucou Luna, ok. Eh bien, je vais pouvoir recommencer. Bon, avec mes deux mains, ce sera encore mieux. Voilà. Donc voilà déjà ce que ça donne. On voit déjà apparaître, ça fait un petit côté aquarellable, c'est assez sympa. Du coup, avec mon Stamparatus, bon, alors là, je trouve que je n'en ai pas assez. Eh bien, je recommence, pas de souci. Je reviens mettre de la couleur sur mon tampon. Hop, voilà. Tout simplement, je peux réancrer, puisque là, ça sera à la même place. Donc, pas de souci. Mon fraisier en fleurs. Un petit peu d'horizon de bruyère par-ci par-là. Hop, toc. Mon verre. Et Béatrice, maintenant tu peux oser, tu sais que c'est possible. Surtout pas avec les blends hein, qui sont des feutres à base d'alcool. Parce que là par contre, vous allez abîmer votre tampon. Mais par contre, avec les Stampin' Right, les feutres à base d'eau, éclatez-vous. Colorisez vos tampons de n'importe quelle couleur, même les sentiments peuvent être colorisés comme ça, lettre par lettre par exemple, pour donner un peu plus de fun. Hop, et voilà. Et du coup, vous répétez l'opération autant de fois que vous le souhaitez. Aucun problème. Et vraiment, ça donne un petit côté tableau d'aquarelle, je trouve ça super joli. Toc, et voilà. Maintenant, je vais venir m'occuper de ma découpe. Donc, bah voilà, vous voyez là, quand je suis sur mes lives, typiquement, mon espace est assez réduit. Donc, ma mini machine, c'est du coup le top. Alors, je vous disais qu'elle était légère. Ça, c'est mon petit doigt. Hop! Ça vous prouve qu'elle est vraiment hyper légère. Super pratique. Et du coup, par rapport à ma main, vous voyez, vraiment idéal. Et oui, Marotine, il y a cette technique-là aussi à mettre directement sur les blocs. Mais là, je voulais vraiment montrer aujourd'hui donc l'astuce de coloriser directement les tampons avec ces feutres. Tac. Voilà. Et du coup, je viens faire ma petite découpe. Si je le mettais droit, ça pourrait aider, hein. Vous êtes d'accord? Voilà. Du coup, là, avec le côté aquarelle. Si c'est pas hyper calé droit, c'est pas grave. Voilà. Et on tourne la manivelle. Et c'est parti. Et voilà. Donc si vous n'avez pas encore craqué sur la mini machine, que vous êtes débutante, que vous n'avez pas beaucoup d'espace ou que vous faites des ateliers avec des copines, ou que vous voulez partir en voyage ou en vacances avec votre matériel, ça c'est vraiment le moment. Elle est à moins 20% jusqu'à la fin du mois.
Prochain achat pour Patricia. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. Et voilà ma jolie découpe. Vous avez vu, ça rend bien, hein? Vraiment, on a le mélange de couleurs et tout. C'est vraiment très sympa. Donc, ça c'est calé. Je vais récupérer donc mon papier blanc. Voilà, il viendra se mettre ici. Ma découpe viendra ici. Mais je trouve que mon papier est un petit peu trop blanc. Donc, je vais prendre mon riche raisin, puisque du coup, c'est la couleur que j'ai prise aujourd'hui avec mon Stampin' Ride. Je prends ma brosse à estampes, mon encre. Harmonie, tu m'as convaincue. Ah, bah écoute, Patricia, ça me fait plaisir. Je prends ça et je prends un morceau de brouillon que j'avais et que j'ai plus. Alors, c'est l'avantage d'avoir l'imprimante à côté. Oui, elle est belle cette découpe, hein. C'est Art Gallery. Toc, voilà, je prends ça et je viens déposer un tout petit peu de couleur. Donc ici, riche raisin. Voilà, pour donner un peu de profondeur à mon papier blanc avant d'aller poser ma découpe. Voilà, pas besoin que ça soit très marqué. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller tout ça. Alors, tac, là, je vais l'ouvrir, je vais la mettre ici. Tu l'as, Fabienne, hein, il me semble, la machine, c'est ça, hein? Tu l'avais commandé, toi. Hop, je viens coller mon morceau de papier ici. Voilà. Alors avec ma luminosité, je ne sais pas si vous voyez vraiment le vert qui est passé à la brosse. Mais bon, vous le verrez après sur les photos, il n'y a pas de souci. Je vais venir coller ma petite découpe ici. Tout simplement. Donc là, je ne vais pas la mettre en 3D. Je vous explique pourquoi. J'ai décidé de mettre mon étiquette par contre en 3D. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Je l'ai préparée quand même à l'avance, celle-ci. Voilà. Alors. Toc. Voilà, ça c'est bon. Et du coup, j'ai déjà, donc je vous le disais, découpé mon étiquette. Et pareil, hein, avec le même lot. On a deux étiquettes de différentes largeurs ici. Donc j'ai pris la plus longue, j'ai tamponné donc Happy Birthday toujours avec Riche Raisin. Oui, tu l'as, et elle prend pas de place, c'est top. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Et du coup, j'ai mis mes dimensionnels derrière, j'ai mis les mini, puisque les grands dimensionnels sont un petit peu trop larges pour le format de l'étiquette ici. Hop. L'opercule fait les siennes. Voilà, et je vais venir coller mon sentiment devant. Voilà, comme ceci. Et la petite touche finale, histoire de donner un petit peu de brillant à cela, je vais mettre des petites perles. Donc je vais prendre mes bijoux classiques perles que j'aime beaucoup, qui vont avec tout en fait. Ça s'adapte vraiment avec tout. Pas de soucis, Carole. De toute façon, le plus gros est fini. Merci d'avoir été là. Bon après-midi à toi, en tout cas. Les perles, vraiment, elles vont avec tout. Ou presque. Alors. Il y a une chance sur deux pour que j'en ai une qui se sauve. Hein. Elles sont très douées pour se faire la malle, mes petites perles, avec ma pince. Voilà. Je vais en disperser un petit peu là et là. Hop. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une carte, on est d'accord, très girly. Compliqué d'envoyer ça à un homme, je vous l'accorde. Et voilà. Je savais qu'il y en a une qui allait avoir, qu'elle est sauvée. Mais c'est vraiment super doux. Et je vais en mettre une dernière ici. Toc. Allez, près de la fleur là. Hop, pour la rehausser un petit peu. Voilà. Oui, les tout petits, oui, excuse-moi, les petits plieurs de gaufrage passent aussi dans la mini. Pas les grands, bien sûr, mais dans la mini. Les petits plioirs, oui, passent sans problème. Et voilà, du coup, ça y est, on a la deuxième swing card qui est faite. Quand on l'ouvre, hop,
On a la petite fleur derrière. C'est le même, hein, c'est ce tamponnage-là, mais que là, cette fois, j'ai tamponné directement donc avec le pâte d'encre Frésia en fleurs. Donc ça donne un aspect différent. Mais voilà, quelque chose de beaucoup plus doux que la première. On a vraiment un grand contraste, mais c'est ça qu'on aime, hein, c'est de pouvoir changer un petit peu d'univers, et du coup, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Je ne sais pas laquelle des deux vous allez préférer. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour les deux, en fait, hein. C'est très différent, mais très sympa. Merci, Marie-Christine, c'est gentil. Merci, Annie, ça a l'air de vous plaire. Ça me fait super plaisir. C'est top. J'ai hâte, hein, maintenant de voir vos créations, vos versions, de les recevoir. N'oubliez pas, hein, harmoniescrap@harmoniescrap.fr pour participer donc au tirage au sort exceptionnel pour fêter grâce à vous les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est grâce à vous tout ça. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment adorables. Voilà, je ne serais pas là sans vous, donc vraiment, merci beaucoup. Oui, c'est très romantique, Marotine, t'as raison. Merci, voir si ça a l'air de vous plaire, je suis trop contente. Moi, juste ça me convient en fait, vous faire plaisir, vous faire du bien, partager avec vous. Merci à toi, Marianne, c'est très gentil. Bisous, Karel. Merci, Claudine, c'est très gentil. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous m'avez rejointe aujourd'hui pour la première fois, j'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez la semaine prochaine, même jour, même heure, mercredi, 14h. N'oubliez pas donc la super promo en ce moment pour la mini-machine ou la sélection de tampons, poinçons que vous retrouverez aussi sur ma page ou sur mon blog, hein. Je vous ai tout mis, vous avez tout à disposition sans problème. Et puis, n'oubliez pas également de vous inscrire donc à la crop de printemps qui aura lieu le 26 mars à 9h30. Vous avez tous les liens dont vous avez besoin sur Facebook, là, au-dessus de la vidéo, juste en haut, tout ce qu'il vous faut pour rejoindre mon équipe, pour la crop, pour les catalogues, pour la promo, pour tout ce qu'il vous faut. Et sur YouTube, donc, ça sera en bas dans la barre d'infos. Vous aurez tout d'ici quelques minutes également sur le replay. N'hésitez pas à liker, à partager, les petits pouces, tout ça, c'est grâce à vous que je vis. Donc, merci du fond du cœur. Je vous abandonne, je vous souhaite une excellente après-midi. J'espère vous retrouver nombreuses la semaine prochaine, donc à 14h. Et puis, bah, je vous invite à rester connecté samedi à 11h, puisque comme chaque samedi à 11h, je publie donc la création du prochain live de la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous embrasse très fort. Passez une excellente après-midi et on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao!